thank mm -hmm. you Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle matinale du matin tôt le matin qui commence un peu avant 8 heures ce matin. Je suis euh, très matinale, voyez-vous. Euh, tout va bien, hein c'est juste que je vais aller travailler un peu plus tôt ce matin. Enfin, euh, je ne vais pas aller travailler plus tôt, je vais juste arriver à l'heure. <laughs> euh, parce que euh, je, je me suis pris une réflexion qui ne m'a pas du tout plu hier. Et euh, j'ai pas envie de donner, euh, de, de prêter le flanc à une nouvelle réflexion, même si euh, je sais que je vais en prendre d'autres. Euh, bref, en ce moment, au niveau professionnel, ça... enfin, mon travail se passe bien. C'est juste il euh, y a une ambiance euh, en ce moment qui est extrêmement délétère où je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Donc, euh, c'est assez compliqué. Mais le travail se passe bien, euh, a priori. Tous mes projets sont menés. Euh, tout fonctionne euh, pour moi de mon côté plutôt bien. Euh, mes relations clients sont bonnes. Je vais en déplacement cet après-midi. Voilà, donc euh, tout va bien. Juste euh, ambiance de merde. <laughs> ça arrive. Ça arrive. Euh, en attendant, euh, en attendant, non, continuons du coup. Ouais, <laughs> je, euh, je vois, euh, je vois, j'ai juste un message de, de, de Zaza qui m'envoie un truc qui me dit, euh, ouais, en effet. Et je note que tu étais encore mentalement au travail hier soir à 22h42 et que euh, tu as commencé aujourd'hui à 6h16. Parce qu'effectivement, euh, moralement, mentalement, euh, j'étais encore préoccupée par euh, par mon travail ce matin et, euh, et hier soir. Il euh, y a des choses qui se sont passées et du coup, j'étais, euh, j'ai cogité toute la matinée. Je me suis réveillée à 5h30, un truc comme ça. J'ai pas arrêté de cogiter. J'ai regardé, j'ai fait des recherches ce matin. Et, euh, et je suis tombée sur des choses que euh, du coup, je vais, je vais contacter mon service juridique. Enfin, j'ai un, un service de protection juridique. J'ai souscrit ça quand j'ai pris mon assurance pour, euh, pour mon appartement. Et du coup, je vais contacter mon service de protection juridique euh, dans la matinée. Là. Juste après la matinale, c'est aussi un peu pour ça que j'aimerais bien terminer un peu tôt. Comme ça, je vais pouvoir avoir le temps de les appeler et, euh, et, euh, et d'arriver au bureau et, euh, et de peut-être terminer mon appel au bureau, mais pour, pour avoir des informations sur, sur mes droits, parce que j'ai des droits, hein, je suis une personne humaine avec un salaire et un contrat, surtout un contrat, et en tant que telle, j'ai des droits. Enfin bref, et euh, surtout j'ai une protection juridique donc je peux leur faire, euh, je peux le faire appel à, à cette protection juridique et euh, merci à Melchiz Melchizedek euh, de m'avoir euh, rappelé que j'avais une protection juridique parce qu'il était prêt à appeler la sienne euh, pour poser la question et c'est très gentil mais du coup voilà, j'ai la protection de mon côté donc tout va bien. Bonjour Flymic, comment vas-tu Tu es tout seul <laughs> Je me sens un peu seul, mais c'est normal, j'ai commencé plus tôt, j'ai raconté ma vie donc c'est normal. C'est normal. Euh, je voulais ce matin parler, euh, faire un tour d'horizon des élections au niveau international, donc je vais reprendre les, les sujets où on s'était arrêté la dernière fois. On devait parler euh, rapidement de plusieurs choses. Euh, je vais retrouver un. Je ne sais, si, euh, sais pas si ça parle des élections, ça. Ouais. Euh, on va peut-être pas parler du Rwanda s'il n'y a pas d'élection au Rwanda hein, malheureusement on pourrait parler d'un pays où il n'y a pas d'élection <laughs> ça pourrait être intéressant euh, on va pas parler de l'Égypte mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'Égypte. là on a la Birmanie ça pourrait être intéressant aussi s'il n'y a pas d'élection en Birmanie on a plutôt eu un coup d'état là-bas il y a eu une bagarre entre députés au Parlement georgien, hein, on en reparlera plus tard. Euh, des camps d'entraînement des Soudanaises, des médecins aux États-Unis qui font de la prévention contre les armes à feu. Vous étiez au courant Bonjour Little Poulet, ça va Je t'ai vu hier midi. <laughs> Bonjour Néodiem. Il n'y a pas d'élection à Monaco. <laughs> ben non. Allez, on va parler de la présidentielle aux États-Unis et des candidats trouble-faites euh, qui vont. Euh, bah, qui vont un peu emmerder euh, les, les candidats euh, favoris. Donc les, ces candidats troublent le fait qu'ils vont peser sur la présidentielle américaine, alors que... Bonjour, euh, Mr. Opera. Alors que nombre d'Américains ne veulent pas d'un nouveau duel Trump-Biden, les candidats indépendants ou issus de petits partis attirent de plus en plus d'électeurs, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle... Estime le magazine américain Mother Jones dans un article qui fait la une. Moi, au contraire, je trouve ça plutôt bien. C'est l'expression de la démocratie, mais visiblement, aux États-Unis, ils n'aiment pas trop. Ils sont plus orientés bipartisme. Ça ne leur plaît pas trop d'avoir plus de deux candidats pour une élection. Ici, on voit la, oh, pardon, la couverture de l'édition mégeante de Mother Jones. Partie Poppers avec une bulle dans laquelle on voit la tête de Joe Biden et une aiguille qui est prête à faire exploser. Enfin, cette bulle, c'est un ballon peut-être, je ne sais pas. Un article qui a été publié le 28 avril sur Courrier International, et qui, a été, euh, qui est une traduction d'un article de Mozart Jones. Un grand ballon bleu flanqué d'un portrait de Joe Biden flotte dans l'air au milieu où il semble sur le point. Au moment où il semble sur le point de s'envoler, une main munie d'une aiguille s'approche et le perce. Joe Biden qui fait pchit, c'est l'illustration qu'a choisi le magazine de gauche Mother Jones. C'est un magazine quand même qui est censé être de gauche. Joe Biden est censé être de gauche aussi, hein, on le sait. C'est pas vraiment le cas. La gauche, c'est plus vraiment la gauche. Hein. Euh, pour évoquer le danger que représentent les petits candidats pour la réélection du président démocrate. Voilà, ouais, s'il panique avec trois choix qui viennent voir nos européennes, on a quoi 38 listes, je crois, c'est ça il y en avait 34 en 2019, là on est à 38. Ça va être de pire en pire de toute façon. Enfin, de pire en pire. C'est bien, hein, cela dit. Bonjour Franck de Madrid. Comment ça va là-bas Il fait beau, t'as du soleil toi hein Il fait chaud, je crois. <laughs> À l'instar du candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr., ces troubles-faites gagnent en importance à mesure que les Américains rejettent le duopole, à savoir la domination de parti, du parti démocrate et du parti républicain sur la vie politique américaine, et rejettent à fortiori un deuxième duel entre Joe Biden et Donald Trump, affirme le magazine Californien. Un vote de protestation. 30 degrés, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, il y a la candidate écologiste Jill Stein, qui permet, euh, dont, euh, lui, dont, le parti, dont le Green Party, déjà bien implanté dans le paysage politique américain, lui permet d'être présente sur les bulletins de vote dans une vingtaine d'États, dont certains États clés comme le Wisconsin. Il y a aussi l'universitaire africain-américain Cornell West, qui se présente comme le candidat de la gauche et de l'antiracisme. Mais il y a aussi l'outsider préféré des Américains, Robert F. Kennedy Jr., anti-vax et très critique du système politique. Autant de candidatures à même de siphonner les voix d'une partie des électeurs de Joe Biden et de Donald Trump, estime Mother Jones, qui rappelle que le Parti démocrate a déployé un plan visant à contrecarrer l'essor de ces petits candidats avec RFK Jr. comme principale cible, donc euh, Robert F. Kennedy Jr. Hein, le... J'imagine que c'est le fils euh, de Robert Kennedy, euh, ou le petit-fils peut-être de Robert Kennedy, je ne sais pas où, à quel niveau est-ce qu'il est, mais on doit être de la famille Kennedy, vu que son nom c'est Kennedy. Mais de cette famille Kennedy, probablement. Or, le duel entre Biden et Trump s'annonce particulièrement serré et chaque vote comptera, insiste Mother Jones, qui rappelle que la présence de petits candidats joue les troubles faits lors d'une présidentielle, euh, qui joue les troubles faits lors d'une présidentielle n'est pas une première, et cite notamment Ross Perrault, l'homme d'affaires et candidat indépendant qui avait obtenu 19% des voix euh, lors, euh, lors des élections, j'imagine, en, en 1992. Il manque, il manque une partie là. Mais cette fois, le recours au vote de protestation pourrait avoir des conséquences inédites, les Américains n'ayant jamais été aussi nombreux à se dire désillusionnés et lassés de la polarisation et politique excessive. On a Biden et Trump, et en plus un Biden qui est pro-Israël, et Trump aussi d'ailleurs, et donc une, une partie de la population qui ne sera même pas représentée. Donc est, on est vraiment sur, sur une élection qui n'est pas forcément très intéressante pour la plupart des Américains. En octobre 2023, 63% des Américains estimaient que les deux grands partis, démocrates et républicains, faisaient un si mauvais travail de représentation du peuple américain qu'un troisième grand parti serait nécessaire. 63% des Américains. Euh, ce qui est un record, comme le révélait un sondage de l'Institut Gallup. Pour autant, les électeurs américains devraient se demander si un vote visant à mettre fin au duopole ne risque pas plutôt de contribuer à mettre fin à la démocratie en augmentant les chances de, no de Donald Trump d'être élu, conclut Mother Jones. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il pourrait s'inspirer, par exemple, de la France, même si euh, c'est pas forcément euh, idéal. Ça reste quand même euh, plus intéressant d'avoir plusieurs candidats et euh, ces deux tours euh, qu'on a en France. Après, euh, je ne sais pas si deux tours ça vaut le coup. Peut-être d'avoir plutôt une représentation euh, à Paris, à, à proportionnelle de la population euh, au sein des instances et, euh, et un vote, euh, peut-être pas forcément obligatoire euh, de voter pour un président. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais euh, du coup, comme euh, comme euh, voilà, comme ça se passe là en ce moment aux États-Unis, c'est un petit peu le bordel. On y reviendra sur ces élections américaines qui vont avoir lieu en novembre prochain. On aura l'occasion de reparler des élections américaines à, à plusieurs reprises. En ce moment, on, vous le savez, en Europe, on a des élections européennes qui, euh, qui, euh, qui sont en cours et qui vont se terminer ce dimanche avec euh, le, le vote... Enfin euh, en fait, les, les, les élections sont en cours. Hein. Les, les votes vont être ouverts à partir de demain. C'est du 6 au 9 juin que les, les Européens vont être invités à voter. Et les, les Français vont être invités... Françaises et Français vont être invités à voter euh, le 9 juin. Le 9 juin à... À peu près à 19h, je pense, on se retrouve ici sur cette chaîne pour débriefer la période euh, électorale qui va s'achever. Donc, vous, vous êtes les bienvenus, bien sûr, euh, pour euh, euh, discuter avec nous sur le chat. Et si vous le souhaitez, peut-être on ouvrira aussi euh, Discord à l'occasion. Donc, venez sur Discord, venez sur le serveur Discord, rejoignez-nous et, euh, et on va discuter. En ce moment, je parle beaucoup de mon taf euh, parce que j'ai quelques petits soucis au boulot. Euh, mais il euh, y, y a une activité en ce moment sur le serveur, il hein, y a du monde qui vient, on discute beaucoup, il y, y a plein de trucs. Bonjour H, ça va On <laughs> discute de plein de trucs sur le serveur Discord, de vraiment beaucoup de sujets, on ne discute pas forcément que de mon boulot. Bonjour Garde, ça va Ça va Tôt, hein C'est tôt ce matin. J'ai déjà lu un article en plus. Allez, la suite. Ce matin. On continue à parler d'élections avec cet article sur euh, les élections européennes, justement, dont je parlais à l'instant, qui se déroule en Allemagne euh, de manière assez euh, violente, avec une campagne plutôt virulente contre euh, tous les candidats qui ne sont pas d'extrême droite. Euh, un eurodéputé violemment agressé lors lorsqu'il collait des affiches électorales à Dresde. Je ne sais pas si on dit Dresde, Dresde, je ne sais pas comment, comment on le prononce. Mathias Ecke, pareil, je sais pas, <laughs> élu du SPD, donc c'est le Parti social euh, démocrate, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le SPD, euh, a été agressé et grièvement blessé vendredi 3 mai dans l'Est de l'Allemagne, a annoncé son parti samedi. Un article a été publié le 5 mai 2024 euh, sur Courrier International directement. Un euro, donc là on voit une photo de l'eurodéputé Mathias Ecke à Dresde, en Allemagne, le 20 avril 2024 un député allemand du Parti socialiste euh, du Parti social-démocrate, on est bien sur le social-démocrate, j'avais bien raison. Au pouvoir, Mathias Ecke a été attaqué et grièvement blessé mardi euh, vendredi 3 mai dans la soirée à Dresde dans l'est de l'Allemagne, alors qu'il placardait des affiches électorales à annoncer le parti samedi dans un communiqué. L'homme politique de 41 ans est la tête de liste du SPD en Saxe pour les élections européennes de juin, note Politico Europe. Il a été attaqué par un petit groupe d'hommes qui lui ont donné des coups de poing et des coups de pied, a indiqué la police, comme le relate la Deutsche Welle. La police a également fait savoir qu'il euh, qu avait été grièvement blessé et avait dû être opéré après l'attaque, peut-on lire sur le site de la BBC. L'attaque contre Mathias Ecke est un signal d'alarme sans équivoque pour tous les citoyens de ce pays, ont déclaré Henning Oman et Catherine Michel, président de la branche saxonne du SPD, dans le communiqué. Nos valeurs démocratiques sont attaquées. Olaf Scholz condamne fermement l'attaque. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné l'attaque de l'eurodéputé de son parti. De tels incidents constituent une menace pour la démocratie, a-t-il réagi Les extrémistes et les populistes attisent un climat de violence croissante, a dénoncé la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, également membre du SPD. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, s'est dite horrifiée et a demandé que les responsables soient traduits en justice. Mathias, le Parlement européen, est à tes côtés, a-t-elle écrit dans un message sur X. Le, la Deutsche Welle euh, rapporte que le chef du SPD en Saxe, Henning Hohmann, a, a déclaré au journal allemand Bild que trois ou quatre inconnus étaient soudainement apparus, insultant l'équipe en accrochant des affiches avec des insultes homophobes avant de les attaquer. Henning Hohmann a ajouté que Mathias Ecke... Devrait probablement rester hospitalisé pendant la semaine à venir. L'enquête a été confiée au service de protection de l'État. Peu de temps avant cette agression, un autre homme de 28 ans qui collait des affiches pour le Parti des Verts dans le même quartier avait lui aussi été agressé et blessé. Les autorités soupçonnent le même groupe d'agresseurs dans les deux cas. Bonjour Samuel euh, Le SPD met en cause le rôle de l'AFD. Les responsables du SPD de Saxe ont accusé les partisans du parti d'extrême droite Alliance pour l'Allemagne d'être à l'origine de l'attaque contre Mathias Ecke. Leurs partisans sont désormais complètement désinhibés et nous considèrent apparemment, nous les démocrates, comme une proie facile, écrit-il dans le communiqué. La Saxe Contextualiste Politico-Europe est l'un des passions politiques de l'AFD, donc de l'extrême droite. Il s'agit du dernier incident en date d'une série d'incidents qui attisent les tensions politiques en Allemagne à l'approche des élections, observe The Telegraph. Le, la Deutsche Welle hein, well, souligne également que les agressions de vendredi surviennent après une longue série d'attaques verbales et physiques ciblant des politiciens locaux, étatiques, fédéraux et de l'UE de, de tout le spectre politique, à la fois dans les États de l'Est et de l'Ouest de l'Allemagne, selon une étude menée par la fondation Heinrich Bohl. Donc, c'est assez grave ce qui est en train de se passer en Allemagne en ce moment pendant les élections. Et puis, pas seulement, il y a aussi beaucoup de choses. On en avait déjà parlé, on avait fait le point sur. On avait lu cette enquête de Mediapart, en lien avec un journal allemand, je ne me souviens plus lequel, qui, qui parlait de, de ces rendez-vous nazis avec l'AFD, où ils étaient en train de parler de l'épurement de l'Allemagne et de virer des étrangers de leur pays. Donc, ils sont dans une situation plutôt euh, dangereuse en ce moment en Allemagne et, euh, et ça, ça, fait euh, penser aux heures les plus sombres de notre de notre continent. Moi, ça m'inquiète pas mal, hein, tout ça. J'avoue que c'est pas rassurant du tout. Cette remontée de, du nazisme en Allemagne, de, du néonazisme hein, qu'on appelle ça, mais euh, c'est vraiment du nazisme. Ça sert à rien de mettre néo devant. On est vraiment sur euh, sur du nazisme. Donc euh, c'est donc pas forcément euh, bon signe. Mais euh, bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'espère que ça va, va s'améliorer, qu'on va avoir un sursaut euh, démocratique en Allemagne. Mais euh, c'est pas dit encore. Hein. Pour l'instant, euh, c'est pas gagné. Autre article, toujours sur les élections. Euh, et là, on va partir en Catalogne. Euh, changement de cycle en Catalogne où la modération l'emporte. Les formations favorables à l'indépendance n'ont pas atteint la majorité lors des élections régionales catalanes du 12 mai. Place désormais aux négociations car les résultats drainent un lot d'incertitudes, note la presse espagnole, un article courrier international euh, publié le 13 mai dernier, donc le lendemain de l'élection. Ici, on voit une photo à Barcelone, le candidat du Parti Socialiste catalan, Salvador Illa, célèbre sa victoire à l'issue des élections législatives le 12 mai 2024 en Catalogne. Donc euh, on rappelle, hein, l'Espagne est un peu divisée. Il euh, y a la partie catalane euh, de l'Espagne et, euh, et la partie plus euh, euh, espagnole, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, euh, en, en, la Catalogne aimerait euh, son indépendance. Il enfin, y a pas mal de Catalans qui aimeraient leur indépendance, l'indépendance de la Catalogne. Mais, euh, mais là, visiblement, il bah, y a eu un rétropédalage des électeurs et apparemment, euh, l'indépendance n'a plus trop le vent en poupe. C'est euh, peut-être. Euh... Alors, on va lire l'article hein, on va, on va peut-être avoir des réponses. Des nazis en Allemagne, on est en 2024, Freulein, fr Fleury, tout le monde a le droit à une deuxième chance. <laughs> c'est dans euh, OSS 117, c'est ça <laughs> Je crois. Les Basques aussi, ouais, effectivement. En Allemagne, oh, en Espagne, il y a les Basques aussi. Adios, process, adios. C'est par cette formule concise que le quotidien ABC, 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 pilier de la presse conservatrice espagnole, donc ABC, se satisfait du résultat des élections législatives du 12 mai en Catalogne, un scrutin marqué par une clameur, celle d'un électorat qui a choisi de dire basta au processus d'indépendance process dans cette région du nord-est de l'Espagne peuplée de 8 millions d'âmes. Pour la première fois depuis 1980, poursuit le site catalan elnacional.cat, le mouvement indépendantiste dans son ensemble n'aura pas le contrôle du Parlement autonome catalan. Il tombe à 59 sièges sur 135, bien loin des 74 récoltés lors du précédent scrutin de 2021. Le ras-le-bol du monde indépendantiste était évident, insiste le média favorable au sécessionnisme, alors que depuis 2012 et des manifestations massives en faveur de l'indépendance, les partis ralliés à cette cause entretenaient l'espoir d'une séparation imminente entre la Catalogne et l'État espagnol, qui a culminé avec l'échec du référendum d'autodétermination de 2017. Je vais y arriver. Ici, on a un vote de sanction, enfin le vote de castig, donc vote de sanction, qui est le titre du quotidien en langue catalane. Elle pointe à en une de son édition du 13 mai, on voit euh, le résultat ici euh, des, des partis euh, en présence, on voit que le PSC, donc le Parti social catalan, a euh, obtenu 42 sièges et que c'est euh, avec ces 42 sièges qu'ils ont la plus grosse, euh, le plus gros groupe. Et euh, les, les partis indépendantistes, alors je ne sais pas lesquels c'est, j'imagine qu'on est plutôt sur cela. Qui, euh, qui retrouvent 35, euh, 35 sièges, donc qui euh, ont une, une réduction de leur effectif dans l'Assemblée de Catalogne. Ils avaient peur du retour de Manuel Valls. <laughs> Bretagne, indépendance. <laughs> Cet essoufflement offre au Parti socialiste catalan la victoire la plus éclatante qu'il ait jamais remportée en Catalogne, observe El Nacional.4. Le succès électoral de Salvador Ila, tête de liste du PSC, se caractérise par l'obtention de 42 sièges, soit 9 de plus qu'en 2021. Surtout, reconnaît El Mundo, quotidien conservateur pourtant éloigné des idées socialistes, le triomphe d'Ila, désormais en bonne position pour présider, euh, présider la généralité, gouvernement autonome catalan, euh, contraste avec l'actuel et désastreux climat politique espagnol. L'ancien ministre de la Santé... Entre janvier 2020 et janvier 2021, est un leader politique instruit et respectueux qui n'insulte pas, n'attaque personne sur le plan dialectique, ne dit pas de bêtises et ne s'emporte pas pour un tweet viral, respecte ses interlocuteurs, écoute ce qu'ils disent et leur répond poliment et gentiment. Avec lui, ajoute El Mundo, la modération l'emporte. Tandis que pour El País, un changement de cycle s'opère en Catalogne. Le journal proche des socialistes fait observer la faible participation 57,94% lors du scrutin traduisant, traduisant selon lui la lassitude de l'électorat catalan vis-à-vis -vis des velléités indépendantistes. Et en gros, ils en ont marre, quoi. C est, c est, les catalans sont drôles, ce sont des catas marrants. <laughs> et, et tu sais, un catalan, en fait, c'est quelqu'un qui va pas vite, sinon c'est un cata rapide. <laughs> Pardon. J'arrête, j'arrête. C'est pas le moment. C'est trop tôt. Salut Manon. La chaîne, chaîne d'infos espagnole montre les bombardements israéliens au journal. Incroyable, non C'est vrai Bonjour Ronan. Bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Un puzzle difficile à assembler. Je, je suis surprise parce que le, Ronan, c'est le prénom de mon patron. Deux, sc Deux scénarios s'offrent maintenant à ILA, défaite point soit il tente de rassembler la gauche dans une coalition tripartite avec les 20 sièges de RC, soit euh, gauche républicaine indépendantiste, grande perdante, euh, grande perdante de ce 12 mai avec 13 sièges de moins par rapport à 2021, et les 6 sièges communs de... de et six sièges de communs Soumar, c'est pas toi mon patron, ok <laughs> Ok. De toute façon, je ouais, je sais pas s'il si est sur sur Twitch euh, si tôt le matin, je pense pas. Je sais pas. Et les six sièges de Comune Somar gauche radicale, de façon à arracher la majorité absolue de 68 sièges au parlement local, soit il pactise avec les Junts, le parti indépendantiste du centre droit de Carles Puigdemont qui est déjà allié aux socialistes au Congrès des députés à Madrid. Donc c'est compliqué là la majorité euh, sur euh, sur le parlement catalan parce que du coup, il, il faut qu'il fasse une coalition. Mais euh, laquelle Comment euh, Voilà. Cette seconde option semble toutefois plus qu'impossible, selon El Nacional 4, euh, car mon fort de ses 35 sièges au Parlement de Catalogne, 3 de plus qu'en 2021, se porte lui aussi candidat à la présidence de la Généralité. Donc voilà, c'est donc ça en fait. C'est pas du tout... C'est un parti indépendantiste, mais de centre-droit en fait. C'est pas euh, ce que je disais, c'était des indépendantistes. Ils sont 35, mais c'est le centre-droit. Donc c'est pas, euh, pas forcément ce dont on parlait au début les pièces du puzzle vont être difficiles à assembler. synthétise, el mundo, sachant que l'hypothèse d'un retour, retour aux urnes en cas d'échec des négociations n'est pas exclue. néanmoins, ces élections catalanes ont produit un curieux miracle, observe le journal madrilène, puisque les deux leaders nationaux en conflit, pedro sanchez et alberto nunes euh, Fe... Feijo, je sais pas comment ça se prononce, ont gagné. <laughs> Tu subis une catastrophe, lentement tu deviens catalan, ça doit être ça. J'ai pensé, j'ai réfléchi à un truc avec catastrophe, mais j'ai pas, pas réussi à trouver. Réconciliation et droitisation. À gauche, la victoire socialiste en Catalogne ressemble à une approbation de la, de la politique de réconciliation et de dialogue menée par le Premier ministre espagnol envers la région rebelle, explique El País. Ces dernières années, Sanchez a renoué les liens entre Madrid et Barcelone allant jusqu'à gracier des indépendantistes condamnés pour leur rôle dans la tentative avortée de sécession de 2017. Le dirigeant madrilène a également concédé aux Catalans une très controversée loi d'amnistie en échange de son maintien au pouvoir. Carl Puigdemont, exilé dans le sud de la France après avoir passé six années en Belgique, sera l'un des principaux bénéficiaires de ce texte dont le vote définitif est prévu d'ici à la fin mai au Congrès des députés. D'accord, ok, c'est vraiment le bordel dans cette partie du monde. A droite, Feiro, leader du Parti Populaire, le PP, premier parti d'opposition, a battu Vox, euh, l'extrême droite, constate El Mundo. Le PP, a gobelé, alors le PP, donc Parti Populaire, a gobé les voix d'un parti en voie de disparition, Ciudadanos, euh, et passe de 3 à 15 sièges au Parlement catalan, soit 4 voix de plus que Vox. Sachant que le parti indépendantiste d'extrême droite Allianza Catalana de siège fait son entrée dans cette même assemblée pour la première fois, il y a dans la région un glissement vers la droite et vers le constitutionnalisme espagnol, conclut ABC. Donc c'est les alliés de Valls. Ah, c'était les alliés de Valls, d'accord Si tu as un catalan blessé, tu as un cata... <laughs> Allez-y, balancez C'est presque mettre la Catalogne entre, entre guillemets d'avoir une catastrophe. Quoi. Euh, quand les Catalans veulent lancer quelque chose de lourd en l'air, ils utilisent une catapulte. Et. <laughs> catapulte. Ok. Allez, on continue. <laughs> on continue. Mm. Alors, il y a un autre truc qui va se passer dans pas longtemps. Il va y avoir, je pense, je pense qu'il va y avoir, je sais pas trop, mais il va y avoir des élections en Iran. Parce qu'il y a. Vous avez euh, sans doute vu passer cette information, donc on va pas parler à proprement parler d'élections, on va parler de la mort d'un président. Donc ça, ça, pré, ça présume qu'il y aura des élections normalement dans pas longtemps dans cette partie du monde. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu es un pervers de Catalogne On t'appelle le Catalogne. <laughs> Allez, on arrête On arrête <laughs> C'est malin. Euh, décès du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Vous avez dû avoir passé cette information euh, il n'y a pas longtemps. Ok, ça marche. Est-ce qu'on divise un poème catalan en catastrophe <laughs> On dirait un catalan sandrin. Du coup, on pourrait faire à des catalogues catalan catalans du coup. La mort... Je, je, ça ne sert à rien. C'était nul. La mort du président, c'était nul. Moi, c'était nul. Vous, c'était très bien. Moi, c'était juste nul. La mort du président iranien Ebrahim Raisi, victime dimanche d'un accident d'hélicoptère, donc c'était avant le 20 mai, juste avant le 20 mai, a été confirmée par les autorités iraniennes lundi 20 mai, donc c'était le dimanche 19 mai. La presse internationale analyse déjà la lutte pour sa succession, un article qui a été publié le 20 mai par Courrier international. Ici, on voit une photo du, de feu le président iranien Ebrahim Raisi, photographié lors d'une réunion de son cabinet le 2 avril 2024 euh, par, par Iranian Presidency. 15 heures après son atterrissage brutal dans une région, dans une région isolée du nord-ouest de l'Iran, l'hélicoptère qui transportait le président iranien Ebrahim Rassi a été, trouvé, a été retrouvé lundi matin par les équipes de secours qui n'y ont trouvé aucun signe de vie. Rapporte CNN. Citant les agences officielles iraniennes, tout lundi matin son décès ainsi que celui du ministre iranien des Affaires étrangères et de sept autres personnes a été annoncé sur la télévision d'État écrit Iran International dans un, lit, dans un live. Selon une source citée par l'agence Reuters, l'appareil serait complètement calciné. Les informations étaient rares depuis la disparition de l'hélicoptère qui ramenait le président de la cérémonie d'inauguration d'un barrage dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental, dans le nord-ouest du pays. Recherche difficile, des dizaines d'équipes de secours avaient été dépêchées sur le terrain où les recherches se poursuivaient sans relâche, compliquées par des conditions météorologiques difficiles, sous la pluie et dans le brouillard, raconte El Pais. <laughs> Lundi matin, tôt, l'agence officielle iranienne IRNA avait assuré que les coordonnées géographiques précises de l'emplacement de l'hélicoptère avaient été déterminées grâce notamment aux données d'un drone turc et que les équipes de secours se dirigeaient vers le lieu potentiel de l'accident. La télévision d'État a diffusé dimanche en continu des images de fidèles priant au sanctuaire de l'imam Reza dans la ville de Machad, la ville natale de Raïsi, ainsi qu'à Qom dans d'autres endroits, relève il Corriere d'El Serra. De nombreux pays, de la Turquie à Moscou, en passant la plupart, par la plupart des pays du Golfe, ont envoyé des messages de soutien à Téhéran et ont offert leur aide, comme l'Union européenne qui avait activé son service de cartographie Copernicus EMS. Washington avait précisé pour sa part suivre de près les informations. Je suis quand même assez surprise qu'il n'avait pas, euh, du fait qu'il n'avait pas, j'ai dû oublier des mots, euh, de GPS sur son hélicoptère ou même un téléphone avec un GPS ou quelque chose qui leur permettrait de juste euh, trouver euh, facilement euh, le, leur hélicoptère. Enfin c'est quand même le président d'Iran, il n'est pas suivi, il n'est pas surveillé. Ça m'étonne beaucoup en fait tout ça et j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose qui n'est pas vraiment euh, un accident. <laughs> Le temps était maussade. <laughs> C'est parce que le ciel était volé. Et vous êtes en forme ce matin. Flip-flap, le président. <laughs> attention, les gens, on change de registre, de base de blague. <laughs> ouais, bah, j'ai vu ça. Il est parti, hélico, presto. <laughs> Un problème de turban d'hélice. <laughs> oh là là. Je peux mettre du balavoine en musique dans le mon... bah, Si je fais ça, je me verse strike. <laughs> Il s'est porté pâle ce jour-là. Bon, euh... là j'avoue, on, est, on, est, on en a beaucoup là. On a... On, a... on a fait le plein. La CIA avait quelque chose, mais chute. <laughs> Flyme, qui arrive, qui débarque. Si un catalan s'identifie sur internet, il est catalogué. <laughs> ouais, c'est bon, on arrête là les catalans. On est passé sur l'Iran maintenant. <laughs> changer de base de blague. Oui merci Manon, c'est euh... <laughs> merci de jouer le l'arbitre là parce que du coup il faut bien distribuer les points, il y a un problème là. <laughs> faut lui rappeler les règlements. Euh... Euh... Bataille féroce pour le pouvoir. C'est qui cet hélicoptère Bonjour scoco. comment vas-tu Fais des blagues avec trois lives de retard. Alors si tu veux on a parlé il y a trois jours. de <laughs> Non non tu veux pas Devait avoir tout ça, mais ça a dû cramer. L'hélicoptère était un vieux bousin russe complètement obsolète, donc c'est pas étonnant que les éventuels éléments GPS, s'il si y en avait, n'aient pas été tenus. N'aient pas tenus, oui, mais enfin, je veux dire, tu suis en direct le déplacement. Normalement, tu sais que ton président, enfin, il y a quelqu'un, il doit y avoir au moins une personne qui devrait. Il devrait y avoir une personne. Euh... <laughs> T'es catalan vu le temps que tu mets. <laughs> ah, c'est sûr que c'est pas quelqu'un de rapide Et eh, c'est la deuxième fois que je la fais, celle-là. <laughs> <laughs> ah, bref, donc je disais, ouais, il euh, euh, y a au moins une personne qui doit surveiller un écran, je sais pas, avec un, un signal GPS et qui doit dire Ah oh là, il s'est arrêté à cet endroit-là. Je sais pas, enfin, pour moi, c'est la base. Quand t'as un président qui est dans un hélicoptère, tu dois suivre un minimum son déplacement et tu sais exactement au, en temps réel à l'endroit où il est. Je sais pas. Enfin, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, alors après, je sais pas, en Iran, j'imagine quand même, ils ont quelques technologies, mais euh, c'est pas un pays euh, complètement. Euh, Enfin, ils ont quelques... Ils ont un peu d'argent. Ils n'ont pas la bombe nucléaire, d'ailleurs, là-bas C'est... Euh... Bonjour, Kamel. Ça va Et toi D'accord. OK. Du coup, euh... OK. Mais même avant que l'épave de l'hélicoptère ne soit retrouvée, la presse internationale à l'instar de... Euh... à l'instar de The Economist, envisageait la mort de plus en plus probable du dirigeant ultra-conservateur et rivalisait d'analyses sur un potentiel après Reissi. Pour la BBC, la disparition de M. Raisi aurait, été très peu, euh, aurait très peu de conséquences sur la politique étrangère ou intérieure de l'Iran, car le président Raisi s'occupait de la gestion quotidienne de l'Iran, mais ses pouvoirs étaient très limités. En Iran, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, euh, Khamenei, Khamenei je sais pas, qui définit la politique et qui a le dernier mot, ajoute la radio-télévision britannique. En outre, le mandat du président n'a pas été marqué par des décisions politiques majeures et son héritage ne serait donc pas considéré comme significatif. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis de la mort de ce président iranien, mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose. L'analyste politique d'Al Jazeera estime, euh, estime lui aussi que le système politique du pays pourra absorber le choc, soulignant que l'Iran n'est pas un exemple typique de système totalitaire ou de dictature où le système s'effondre entièrement à la disparition d'un seul homme. Là, on est sur euh, un système, vraiment, euh, pas un seul homme, c'est tout un système. Donc. Euh... C'est pas une dictature traditionnelle où tu tues, le, tu tues la tête... Euh, là, tu, tu, tu coupes la tête, t'en as trois qui repoussent, en fait. C'est un peu ça, le problème. The Atlantic juge néanmoins que l'éventuelle disparition de M. Raici pourrait déclencher une bataille féroce pour le pouvoir. Euh, car, comme le souligne The Guardian, le président était considéré comme un successeur possible de Kamenei, Kamenei âgé de 85 ans. Sa mort laisserait le champ libre au fils du guide suprême, Mochaba Kamenei, euh, une succession héréditaire que beaucoup à Téhéran considèrent comme étrangère aux principes révolutionnaires iraniens. <laughs> ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa quand même. Mais dans l'immédiat, si la mort d'Ebrahim Raisi était confirmée, observait la Deutsche Welle, le premier vice-président prendra la relève avec la confirmation du guide suprême. Un conseil composé du premier vice-président, du vice, du président du parlement et du chef du pouvoir judiciaire devra alors procéder à l'élection d'un nouveau président dans un délai de 50 jours. Donc là, en ce moment, ils sont en train de travailler sur ça, j'imagine. Bon. Donc toi, Samuel, tu penses que Kamenaï va mourir en 2024 Ah, ça aurait pu être lui dans l'hélicoptère. Ça aurait peut-être été... Euh... Bah, ça... En fait, le problème, c'est que ça n'aurait pas changé grand-chose, que du coup, euh... aurait aurait succédé à Kamenaï. Faut pas s'attaquer à la tête, mais au cul. <laughs> Que le régime se déstabilise à cause de lutte de pouvoir pour succéder. Ok, d'accord, c'est ça, euh, ouais. Ouais, ça, ce serait bien, mais c'est pas, pas le cas. Est, on n'est pas en Irak, on est en Iran là, c'est en Iran, c'est euh, iranien, c'est pas irakien. C'est iranien, on est en Irak, on est en Iran. Et bon anniversaire Kamel du coup. Ouais, bah, désolé. T'étais pas là hier, j'aurais pu te le souhaiter hier. Tu serais passée, t'aurais dit, c'est mon anniversaire. J'aurais dit, oui, bon anniversaire. J'aurais chanté, joyeux anniversaire. <laughs> Manon qui essaye de juger. On arrête sur les mecs, la Catalane, je me faisais à l'œil plutôt dans ma cataracte. <laughs> Il s'est emmêlé la barbe dans les pales. Sans doute, ouais. Peut-être c'était un voile, on sait pas. C'est le conseil des MOLA qui dirige. Et oui, voilà. Bon, bah en attendant les élections là-bas, continuons. Tiens, on va revenir. Donc on revient. C'est euh, je retour en Europe, <laughs> retour en Allemagne sur cette campagne allemande qui se passe super mal. On va revenir dessus. Comme ça, on va reprendre le fil de notre matinale sur cette campagne allemande qui se passe vraiment très très mal. C'est vraiment là l'Allemagne, c'est la déchéance. C'est de pire en pire. Attends, est-ce que j'ai. Ouais. Crachat et autocollant nazi à Dresde, la violence au cœur de la campagne électorale. On en a déjà parlé il y a, il y a deux minutes, mais bon, on va revenir euh, dessus. On peut dire qu'il est dans la moulinette. L'agression, le 3 mai, de l'eurodéputé social-démocrate Mathias Ecke a mis un coup de projecteur sur les violences que subissent les personnalités politiques outre-Rhin. À Dresde, les Verts sont forcés d'adapter leur manière de faire campagne, assure Der Spiegel, un article donc de Der Spiegel qui a été publié le 27 mai sur Courrier International. Ici, on voit des bénévoles qui accrochent une affiche de campagne du Parti Social-Démocrate à Dresde. Ici, on voit une photo de Mathias Eke. Hein, C'est lui qui s'est fait agresser, qu'on a vu en photo dans l'article la, la, précédent. Et ça, c'était une photo qui a été prise le 5 mai 2024. Euh, par Mathias Richel pour Reuters. On a encore changé d'article. <laughs> on va vite ce matin, on va super vite là, j'ai pas le temps. <laughs> Mercredi 13 mai, adressé un groupe de quatre bénévoles se met en route pour faire la promotion du programme politique des Verts. Ils ont avec eux une trentaine d'affiches portant sur différents thèmes en prévision des élections municipales et européennes du 9 juin. On a celle sur le logement, interroge une jeune militante. Malheureusement, on a déjà tout écoulé. On peut mettre l'affiche sur l'environnement. Non, les habitants sont plutôt âgés ici. Des transports, peut-être D'accord, ils sortent une affiche, d'accord, <laughs> ok. Ils sortent une affiche de la caisse de leur vélo cargo. La jeune femme glisse quelques colliers de serrage dans les trous euh, prédécoupés, puis grimpe à l'échelle pour afficher, attacher l'affiche le plus haut possible, là où personne ne pourra l'arracher. Les autres parties accrochent parfois leurs affiches aux arbres, mais les verts, évidemment, s'y refusent. Il ne leur reste plus que les lampadaires. Parce qu'en Allemagne, vous le savez peut-être déjà, mais en Allemagne, euh, vous avez le droit d'afficher des affiches, l'affichage public. C'est euh, autour des panneaux, autour des, 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 des lampadaires, autour des arbres. Vous avez le droit d'afficher des affiches un peu partout pendant les élections. Donc c'est un peu le bordel. Et du coup, si vous les mettez trop bas, bah, les gens peuvent les, les enlever. Hein. Euh, c'est un peu le jeu aussi. Normalement, c'est plutôt respectueux en Allemagne. Mais là, vu que c'est bordel, du coup, euh, pas trop. Bonjour Eau de Vie. Comment vas-tu Les Allemands aussi, ils font un revival du temps béni des colonies. <laughs> Alors désolé pour le... la souffleuse. Je sais pas pourquoi on a une souffleuse aujourd'hui. <laughs> ouais, moi aussi je vais à fond. Vendredi 3 mai, à Dresde, quatre jeunes s'en sont violemment pris à Mathias Seket, tête de liste du Parti Social-Démocrate européen, le SPD donc, l'eurodéputé affiné à l'hôpital. Depuis, les médias font état d'agressions similaires presque chaque jour. Dans tout le pays, les responsables politiques se font régulièrement cracher dessus ou insulter, et pas seulement à Dresde. À première vue, se balader dans les rues avec une échelle et un vélo cargo plein peint en verre pour coller des affiches n'a rien de dangereux, mais cette activité est-elle aussi anodine qu'il y paraît le socle de la démocratie. a ah, des feuilles, je... mais il n'y a pas de feuilles là, euh, on n'a que des de... <laughs> non, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû passer la tondeuse, là, du coup il passe, euh, il passe la. Et voilà, je, ça va être un peu gênant, mais j'espère je que vous n'allez pas en trop entendre. Je conseille de suivre Iris Iran Farkunde, chercheuse franco-iranienne sur Twitter. Si vous avez Twitter, bien sûr, parce que moi je ne vous recommande pas d'aller sur Twitter, je vous recommande plutôt de quitter Twitter. Fuyez, pauvre fou. Trop bas c'est arraché, trop haut c'est pas vu. C'est ça. De l'automne. <laughs> Bonne journée Renan, bon travail à toi. Je vais pas trop tarder non plus, hein. je vais partir d'ici 10-15 minutes. À quelques pas du lampadaire fraîchement décoré par les militants se trouve la place Poland dans le quartier de Strizen. C'est là que Mathias Eke a été passé à tabac et qu'une équipe de campagne des Verts s'est fait agresser. Depuis, les militants ont pour consigne de ne plus s'y rendre seuls ni après la tombée de la nuit. Trop tendu c'est nazi <laughs> Et ce mercredi après-midi, l'équipe est composée de Peter Skiba, un historien venu de son propre aveu pour défendre le programme des Verts et sauver la démocratie, d'Esther Langer qui a rejoint le parti après un passage au sein du mouvement Parents for Future, de Tania Shewe, che... vétérinaire qui n'a plus beaucoup le temps d'exercer depuis qu'elle est conseillère municipale, de Wolfgang Dépé, ancien chef du service de neurologie également au conseil municipal et d'une jeune spécialiste des sciences administratives, Hélène euh, prononce, qui a euh, commencé à s'engager avec les Verts durant ses études avant de faire une pause de quelques années. Aujourd'hui, ses enfants sont suffisamment grands pour qu'elle puisse reprendre ses activités militantes. Il s'agit de sa première campagne électorale. Ces personnes sont en quelque sorte le socle de la démocratie. Elles s'occupent de sujets relativement anodins, les pistes cyclables, l'école, la réglementation de l'arrosage des marronniers, et font tout cela bénévolement, parfois plus de 20 heures par semaine. Pourtant, toutes ont déjà été victimes d'agressions et de comportements haineux. Pas plus tard qu'hier, une camarade militante s'est fait, fait prendre à partie dans le quartier de Gorbitz, un homme et une femme qui lui ont adressé un salut nazi avant de lui cracher dessus. Vitres brisées et liste noire. Bisous Franck, bonne journée bah, bah, oui. bah oui, du coup, euh, réunion de 9h, c'est dans pas longtemps. On n'a toujours pas... Grand... Je comprends pas pourquoi, depuis le temps, on n'a toujours pas grand remplacé les nazis. <rire> ouais, <rire> il gagnerait à être grand remplacé, cela, par contre. <coughs> Ce changement d'attitude n'est pas arrivé avec euh, les événements des dernières semaines. Tout a commencé en 2015, avec l'attaque d'un centre d'accueil pour réfugiés à Heid, euh, Heidno, non, non, non loin de là plus d'un millier de manifestants avaient tenté certains par la violence d'empêcher son installation depuis les agressions se multiplient même ici dans le quartier bourgeois de blaswitz racontent les militants des verts leurs noms se retrouvent sur des listes établies par des groupuscules d'extrême droite les vitres de la permanence du parti sont régulièrement recouvertes de crachats ou d'autocollants nazis quand elles ne sont pas brisées en mille morceaux j'avais collé sur ma boîte aux lettres un autocollant qui disait Pas d'AFD, parti d'extrême droite allemand chez moi, raconte l'une des militantes, puis elle a commencé à s'inquiéter, était-ce vraiment une bonne idée d'avoir ce genre de message hostile à l'extrême droite, placardé devant chez soi? Elle a donc fini par l'enlever, en ayant l'impression, étrange, de prendre une mesure de sécurité indispensable, mais aussi de se résigner face à la haine. Se cacher n'est pas une option. Tous les membres du groupe sont candidats aux élections européennes, euh, aux élections municipales, leurs noms et leurs visages sont connus du grand public L'Union chrétienne, chrétienne démocrate, la CDU, a également sa part de responsabilité dans la situation actuelle, à en croire nos couleurs d'affiche. Michael Kretschmer, le ministre président de la, la Saxe, n'a pas assez condamné ces agissements, regrette-t-il. Après l'agression de Mathias Ecke, les Verts ont proposé à des euh, représentants locaux de la CDU de publier un communiqué commun pour dénoncer la haine qui gangrène la société. Mais cela n'a rien donné. Non, sans déconner <laughs> Genre tu veux bien communiquer mais ça donne, ça donne rien et y a les gens ils continuent à te cracher dessus Oh ouais, vraiment, c'est horrible hein, ce qui se passe, mais euh, faut pas non plus euh, s'étonner euh, qu'un communiqué donne rien. Pas étonnant, vu comme certains conseillers municipaux de la CDU copinent avec ceux de l'AFD, d'après les Verts. Bonjour, Maëlle, Maëline Vale. Bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Et la droite est ultra complaisante vis-à-vis -vis des extrêmes. Bah ouais, regarde le gouvernement. <laughs> Agir avant qu'il. Enfin, en France, hein, je parle en France, hein, bien sûr, mais oui, sans doute à l'étranger, ça doit être pareil. Agir avant qu'il ne soit trop tard. On peut en accrocher une ici, au niveau de l'école. On n'a pas le droit, c'est interdit devant les bâtiments publics. Je sais bien, je voulais dire là, pas loin de l'école. Dès qu'ils ont collé une affiche, d Volgang d'Epée, l'ancien euh, médecin, dégagne son portable et marque l'emplacement choisi sur une application. À l'écran, le plan du quartier est constellé d'une nuée de petits points verts, un pour chaque affiche du parti. Il y a aussi quelques points rouges qui marquent les lieux où leurs affiches ont été arrachées ou recouvertes. Bonne campagne, lance un jeune homme qui passe par là à vélo. Un autre retire ses, éc ses écouteurs et s'écrit « Merde à vous !» en signe d'encouragement. « d <laughs> Merde à vous, les gars !»« Merde !»« Ah !»« <rire> <rire> Ok. »« Si tu changes toutes les lettres, ça fait nazi. <laughs> »« N'oubliez pas que le charbon allemand euh, tue chaque année 20 000 Européens. Merci, les verts allemands. » Bah oui, les vers allemands, c'est pas forcément des, des verts dans tous les sens du terme. Bienvenue <laughs> la haine n'est pas la seule à avoir gagné du terrain, la solidarité progresse elle aussi, des gens viennent se présenter dans les sections locales du parti et proposent leur aide pour coller des affiches, beaucoup se disent qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard analyse Tania Chevet la vétérinaire. Sur la fin de leur tournée, les militants sont une nouvelle fois pris à partie. Il faudrait un bon coup de tondeuse pour virer tout ce verre, lance un jeune homme sortant d'un supermarché. Il jette un regard au groupe, espérant une altercation, mais personne n'a entendu sa remarque. Le jeune homme poursuit son chemin et se retourne une dernière fois, visiblement déçu. Oh Il a voulu troller, il s'est pas. Oh, ça a pas pris Oh <laughs> C'est comme quand tu fais un, quand tu fais, un, alors je suis plus sur Twitter, mais c'est comme quand tu fais un tweet et il y a personne qui répond. Du coup, t'as un peu honte. T'as un tweet où t'es bien, attaque bien, méchamment et tout, puis il y a personne qui répond. Genre il y a personne qui, même personne qui relaie. Du coup, t'as tellement honte que limite tu l'effaces, le tweet. Tu te dis bon, c'est pas grave, ça n'a pas pris. Un article de Fabienne Hillbrand pour Der Spiegel, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été publié donc le 27 mai dernier. Allez. Alors j'ai euh, un dernier truc là, euh, alors j'ai euh, cet article là qui parlait d'une femme au pouvoir au Mexique qui allait euh, être une femme au pouvoir, mais en fait euh, les élections ont eu lieu. donc, euh, donc euh, je retrouve l'article. Ouais, mais je vais pas avoir le temps de le lire on va se garder ça pour euh, demain on a plusieurs articles pour demain euh, et puis même on en a d'autres euh, sur d'autres sujets sur euh, les européennes j'ai un article là de, de Hauteuil et puis, euh, et puis on va parler du Mexique où euh, Claudia Scheinbaum a été élue la première femme présidente du Mexique et, euh, et, puis, euh, et puis on va parler de l'Afrique du Sud aussi demain ou après demain, on en parlera jeudi ou vendredi euh, voilà, on refera le tour des élections on va faire que ça cette semaine hein, je vous avais dit spécial élection dans la semaine et euh, comme euh, on a une présidente euh, mexicaine qui a été élue plutôt euh, présidente euh, gauche qui a été élue euh, du coup c'est intéressant on en parlera dans la semaine et puis on parlera aussi des élections européennes euh, à l'échelle française on va parler notamment de la campagne de la République en marche euh, qui est un véritable désastre on est sur du gros « planning c'est un peu l'enfer pour la pauvre candidate Valérie Haye moi j'ai de la j'ai de la compassion pour elle en fait j'aime pas la République en Marche et j'ai pas envie de voter pour eux euh, je vais pas dire je vais je, ne vous inquiétez pas je vais pas finir ma phrase par euh, mais je vais quand même voter pour eux c'est je vais clairement pas voter hein, j'ai toujours pas décidé euh, j'ai toujours décidé enfin j'ai pas changé d'avis sur le fait de ne pas aller voter mais euh, j'ai de la compassion pour Valérie Haye qui est la, 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 la pauvre tête de liste de la République en Marche qui euh, se fait mansplainer en permanence par Gabriel Attal et euh, Emmanuel Macron, c'est l'enfer. Alors attends, parce que. J'ai je, 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 pas mon casque. Vous avez vu déjà, c'est bon. C'est flippant un peu. C'est très drôle. Souverainiste, bah non, moi non, c'est mort. C'est non. C'est un non. C'est Vox le soutien de Vals en Espagne, pas Volt. Rien à voir. Ah non, ce discours-là, je, je suis pas d'accord, Audrey. Mais euh, je pense que tu vas avoir euh, quelques réponses sympas sur le chat. <laughs> mais, mais non, euh, non, non. Euh, le, le, le coup de dire euh, que euh, l'UE, la volonté fédéraliste, est intrinsèquement extrémiste, car, la volonté, car contre la volonté des Français depuis 2005, euh, pff, non, 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 bah non. <laughs> non. Je... On te le laisse, maintenant, vas-y. Ça <laughs> de plaisir. Sachant que je vais bientôt partir en plus, donc <laughs> du coup. <laughs> L'instant dans l'épaisse enveloppe de profession de foi, j'ai aisément trouvé pour qui ne pas voter. Par contre, c'est chaud de trouver une liste pour laquelle... à laquelle adhérer. Bah, en fait, on va. Enfin, moi, si je devais aller voter, je voterais blanc. Et comme le vote blanc n'est pas pris en considération, je ne vais pas voter. Du coup, c'est ma façon d'exprimer de... mon mécontentement par rapport au fait que le vote blanc n'est pas pris en considération. Il n'y a, a pas de liste actuellement qui me donne envie. Euh, vraiment, aucune liste, aucun programme ne me donne envie aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas du tout envie de, de, de participer à ça. Et je suis en train de me poser la question de est-ce que, euh, est que je ne devrais pas euh, samedi, étant donné que samedi, tous les candidats, tous les partis vont devoir euh, juste fermer leur gueule, euh, je me pose la question de samedi, est-ce que je ne pas faire un live pour euh, lire tous les programmes de tous les partis politiques Il y en a 37, 38, 37. Euh, faire un live pour lire tous les programmes de tous les partis politiques, ou en tout cas lire toutes les professions de foi, et, euh, et regarder par rapport à toutes ces professions de foi laquelle euh, pourrait être la plus intéressante, ou en tout cas la, moins, euh, la plus pertinente, la moins, euh, moins vide de sens. Mais euh, et, euh, aussi en regardant euh, les sites internet de chacun des partis. Euh, mais franchement non, euh, je, je je pense pas aller voter en euh, final euh, à ces élections. Vraiment, c euh, c je, je suis vraiment, enfin j'ai pas, il y a rien qui me motive, il n'y a vraiment rien qui me qui m'affiche, qui me qui me donne envie. Après, tu, tu t as le droit de le laisser parler, hein, mais non, C'était juste, euh, t'inquiète, hein. il, il peut parler, mais c'est euh, <laughs> pauvre. il a le droit d'exprimer son avis c'est juste que son avis n'est pas le mien, hein on est d'accord bref et l'UPR là ça commence à bien faire là. les UPRistes qui viennent chez moi là, pour me faire la morale sur qui voter machin, moi ça commence à me saouler je voterai pas UPR, jamais jamais, c'est à dire que il est tout à fait possible que j'aille voter un jour c'est tout à fait possible, mais jamais je voterai pour l'UPR, jamais Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a des moments où je dis « Non, mais je ne peux pas dire jamais, machin, tout ça. » Mais là, je peux dire jamais. Je voterai jamais pour l'extrême droite. Je ne voterai jamais pour l'UPR. Même pour moi, c'est la même chose. Est, on est sur le même niveau. Donc, euh, jamais. <laughs> pour les EPR, pas l'UPR. <laughs> enfin, bref. Il est 8h51, je vous ai dit, hein, je ne peux pas rester jusqu'à 9h ce matin, euh, je vais devoir euh, vous abandonner. Je serai là demain matin, euh, normalement à 8h, euh, ou peut-être un peu avant. C'est comme euh, là, j'ai tenu euh, une heure quand même. Ça fait, euh, ça fait combien de temps maintenant Ça fait 57 minutes que je suis euh, en live, donc je vais, je vais faire une heure en tout, vu que je vais vous laisser et je, vous envoyer, euh, en, je vais vous envoyer en. Ah. Bonjour à Elle. <laughs> je vous souhaite un excellent. Donc, du coup, Elle, je suis désolée, je file. Je vous souhaite un excellent euh, mercredi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale du matin tôt le matin, euh, consacrée aux élections encore. Euh, je vous souhaite un excellent mercredi, un excellent, euh, une excellente semaine si on se revoit pas, si vous êtes pas demain, qui a gagné le match des blagues. Répondez au sondage avant que j'arrête ce live, parce que je vais arrêter le, so le live. <laughs> Moi je pense que c'est Samuel qui a gagné ce matin. <laughs> Mais euh, Manon, pas loin. Il y avait un bon ratio. <laughs> <laughs> Genre les gens qui votent pour Manon. Non mais sérieux. <laughs> Moi je pense que Samuel a gagné le jeu des blagues ce matin. Mais Manon était, était bien. Hein. Manon était bien. Euh... Bien, bien. Euh... <laughs> mais il y avait, y avait d'autres personnes qui ont fait des blagues aussi. Il y avait Ronan aussi euh, qui était bien en forme. Il y avait Fly qui est arrivé euh, trois plombes après. D'ailleurs, c'était très drôle. Hein. C'est plutôt un comique de situation pour le coup parce que du coup, il était catalan. <laughs> Il était lent. Ah, ah, ah. voilà. <laughs> ouais, mais je, je sais que vous étiez chaud là sur les Catalans. Euh, C'était euh, à fond quoi. 50-50, ouais. Ce serait bien que chacun euh, soit vous arrêtez de voter maintenant, <laughs> et comme ça on a une belle égalité. Euh, bref, le, le sondage est super long. Euh, je sais pas si je tiendrai là. Je, je dois partir vraiment. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Aimez-vous les uns les autres et dites aux gens que vous aimez que, que vous les aimez parce que c'est important. Je vais euh, tout de suite envoyer un petit message à mon amoureux pour lui dire que je suis folle de lui. Euh, je vous souhaite donc un excellent mercredi. Euh, Aimez-vous les uns les autres. Je l'ai déjà dit. On se retrouve demain. Bonne journée à vous. Bonne journée à toi, Manon aussi. Bonne journée à vous. Des bisous. Plein de bisous. J'envoie en, des bisous là comme ça. C'est pas des billets, c'est des bisous. <laughs> Vous avez gagné tous les deux. C'est bien. <laughs> Allez, salut.